هذه المركز قال لي باقي ما يتحلش تصاتني تحل تقيت فيه اول واحد غيتقيد وتقيت فيه صافي كنت غنقيد انا اصل الموسيقى ويبان لي لي بوب دخل لي صافي عجبني وبقيت فيه évidemment tu étais du centre culturel à بدات هاد الحجايه هادي بدات لي زاتانتا ديال 2003 كلشي هكا هادشي والدراري اللي خرجوا من هنا من سيدي مومن وكتبت واحد الروايه سميتها نجوم سيدي مومن وهذيك الروايه نبيل عيوش دار منها فيلم اخر فيلم حجايه اخرى ولكن الحجايه هذيك نيت وكان اقبال كبير لهذا لا للروايه ولا للفيلم ديال نبيل واحد الوقيته قلنا حنا دابا صورنا الفلوس صورنا الفلوس على ظهر هاد الدراري هذا اللي عايشين في القهره وقلنا اخترتوا لهم هذاك الشيء ديالهم وجينا كنهضروا غير هكا كنقولوا خصنا نلقاو شي حل باش نردوا لهم ديالهم وجات الفكره ديال المعهد هاد السونتر حيت كيعجبني لا غيتار وكنبغي دائما ندير لا غيتار وحتى البيانو مون بير تا هو استاذ البيانو كيعجبني السولفيج انا كيعجبني لا كورال كيعجبني لي طابلو اللي كيديرو هنايا في السونتر كيعجبني المسرحيات اللي كيديروها لي فيلم حتى البيركسيون كتعجبني J'anime l'atelier de photographie au centre culturel de Sidi Moumen. Je vais un peu vous expliquer comment je suis arrivée là. Vous connaissez tous l'adolescence et ses problématiques. On ne vit pas des choses faciles. On souffre et j'avais une chance inouïe et je ne m'en rendais pas compte. Celle d'avoir un appareil photo, celle d'avoir accès à des livres sur la photo. Et très vite, je me suis aperçue qu'il y avait plein de gens, des adultes, des enfants, dans des quartiers populaires, dans le monde entier qui avait exactement les mêmes problèmes, même des problèmes encore plus graves, mais à qui on n'avait pas donné l'opportunité, on n'a pas donné les informations suffisantes, on n'a pas donné les moyens matériels pour pouvoir s'exprimer. Donc je cherche donc leur implication personnelle et pour ça j'essaye de trouver des thèmes, de les faire travailler, de les faire sentir concernés. Je remercie le Centre culturel Jean Sidi Moumen pour nous aider d'améliorer nos capacités et de choisir ce jour-là comme une conclusion pour tous les efforts qu'on a travaillés. Au début, quand l'Institut français m'a affecté ici, je m'attendais à plus de difficultés, mais aussitôt je me suis détrompé et il s'est avéré que ça vaut le coup hein, de faire cette expérience. Donc j'encourage tous les collègues de visiter un jour, au moins, donc au moins un jour ce centre. Ils seront vraiment éblouis. Voilà. Et je donne des cours de théâtre en français aux élèves de Sidi Moumen qui ont entre 6 et 12 ans depuis 6 mois. Ces élèves m'ont apporté beaucoup de choses, du bonheur, de l'enthousiasme, ils ont du talent, ils sont magnifiques. On a beaucoup de talents à Sidi Moumen qui se cachent et j'aimerais qu'ils soient découverts par beaucoup plus de Marocains qui restent dans leur bulle et qui ne viennent pas visiter ce centre. Alors qu'on a des talents comme des groupes de musique, des élèves qui chantent très bien, des élèves qui font du théâtre, des élèves qui dansent très bien. On a énormément de talents ici. I'm invited here to the center, Le Centre des Étoiles, and it's a big pleasure being here and working with these people here for
young people for a workshop, but also we had the big possibility to have a work in progress showing tonight here. And I'm very, very thankful that something like this is existing. تحنن حبيبي تحنن ألست عليما بما بي وهذه دموعي أمامك تهني نهارا وليلا أمامك أمشي بهذا الحداد ويمشي أمامي هواني. في بهاء الليالي الرمضانية كنا جميعا في منتهى في غاية السعادة بهذا اللمة بهذا المجالسة والمكاشفة الحميمية. خلال الفترة اللي دوزت أنا في سنتر نجوم سيدي مومن تعرفت على بزاف ديال الفنانة وشاركت معهم بزاف ديال الورشات بحال ستريت آر اللي هما فرقة ديال سميتو ديال أخت غرافيك اللي شاركت معهم في واحد النشاط ديال واحد الفن واحد الحيط نيت ديال النجوم صبغنا وخدمنا عليه. خدمنا تاني في ورشات وحدين اخرين وشي اساتذه وحدين اخرين نيت مغاربه واجانب تما شاركت معهم في ورشات. J'ai participé à plusieurs ateliers ici dans le centre de Sidi Moumen. Il faut juste donner l'occasion à ces garçons et à ces filles de s'exprimer et de faire montrer leurs talents. كيقولوا بلي الدنيا كتبدل ملي الواحد كيلقى ديك اللي ديما كيحلم بها. بغيتي الجوق ديال العميين خاصك تزيد شويه. فين هما العميين دابا؟ راه كلشي ولا حال العيني. صراحة الفيلم اللي تعرض المرة السابقة ما كنتش حضرت وسمعت واحد الصدى جميل جدا، يعني كيفاش الجمهور تعامل مع الفيلم وعجبني حتى يعني الطريقة باش كتنظم العروض، فأصريت أن يتعاد هذا العرض وفي شهر رمضان باش يعني ونحضر فيه، لأنه يعني بغيت نشوف هاد يعني هاد التجاوب اللي عاودوا لي عليه واش فعلا كاين. فلقيت أكثر من ما سمعت، يعني صراحة المركز إذا كان عنده واحد خطة وعنده واحد تصور أكيد غادي يكون عنده دور كبير في نشر الثقافة والفن والوعي أولا داخل سيدي مومن وكذلك في الدار البيضاء وفي المغرب، لأن احنا محتاجين هذا النوع من المراكز لأنها قريبة من المواطن وكتقاسم معاه همومه وأفراحه وكل شيء. Ben, je suis très heureuse d'être invitée aux étoiles de Sidi Moumen pour plusieurs raisons, mais une raison qui prévaut sur toutes les autres, c'est qu'on est en plein cœur d'un quartier populaire, que je suis moi-même issue d'un quartier populaire et que faire le lien entre la culture et ce qu'on appelle l'éducation populaire, c'est quelque chose de très important auquel je suis sensible. Et je suis donc particulièrement heureuse de venir partager mon film aujourd'hui dans ce lieu d'émulation culturelle et populaire. Et c'est une très belle initiative, c'est un endroit absolument très intéressant en termes d'activité, de pluridisciplinarité. Ça permet vraiment d'être un poumon au sein d'un quartier qui est un quartier un peu sensible où les gens n'ont pas forcément les moyens d'accéder à la culture, et c'est bien d'avoir amené la culture au pied de ce quartier. Le centre de Sidi Moumen, il a beaucoup de vocations. Il a d'abord celle de transmettre à travers les arts et la culture des moyens d'expression, donner la possibilité à des jeunes à qui on dit que la violence ne doit pas être un moyen d'expression, bah, lui donner d'autres moyens d'expression, le cinéma, le théâtre, la musique, la danse, le chant, la photo. Il a aussi comme vocation de révéler des talents, des jeunes talents. Ça c'est très important parce que ce talent il est là, il existe à Sidi Moumen, il est partout autour de nous. C'est des jeunes qui n'ont jamais rêvé un jour de pouvoir devenir artiste et qui là ont la possibilité à travers ce centre de pouvoir se révéler quelque chose qui est caché à l'intérieur.
Et puis, le troisième enjeu de ce chant, c'est de briser ce mur invisible qu'il y a entre les différentes catégories de la population et de permettre le rapprochement et la mixité, de permettre à des gens comme ce soir qui viennent du centre-ville de Gaza, qui n'ont jamais mis les pieds ici, à Sidi Moumen, de venir écouter un concert de musique, voir une exposition photo, alors que c'était quelque chose de tout à fait impossible pour eux il y a quelques années. Ce centre, à mon sens, apporte du sens, de l'espoir, la capacité à apporter une solution, pas la seule, mais en tout cas une solution qui va arriver à générer tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et j'espère plein de choses dans l'avenir.